Yeah. Rastafari. Yeah. Rastafari. Le Seigneur des Seigneurs, le lion conquérant de la tribu de Judas, le Shiloh, le Christ noir de l'âme. Yeah. Rastafari. Le vrai nom de l'Éternel, Rastafari. Oh, c'est Jah. Oh, Rastafari. Le vrai nom de l'Éternel, c'est la CIA. Oh, c'est Jah. Oh, Rastafari. Chantez à notre roi qui réside à Sion. Oh, c'est Jah. Oh, Rastafari. Proclamez ses bienfaits parmi les nations. Oh, c'est Jah. Oh, Rastafari. Jah, Rastafari, Selassie. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas propre au royaume de Jah. Rastafari, Selassie. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Jah. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Rasta, nous sommes maintenant enfants de Jah. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dieu, Rastafari, Selassie. Ne vous étonnez pas, Rasta. Si le monde vous hait, et quiconque hait son frère est un meurtrier. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'a lieu. Mais celui qui hait son frère est toujours dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Rasta, je vous répète ceci, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin, vous êtes fort et que la parole de Jah demeure à vous. Jah! Rastafari, Selassie. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Jah demeure éternellement. Jah, Rastafari, Selassie. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je dis ceci, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que son vrai nom c'est Jah, son nom vaut. Jah, Rastafari, Selassie. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Jah. Rasta, que personne ne vous séduise. N'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voit son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles
comment l'amour de Jah demeurera en lui. Car Jah est amour. Jah, Rastafari. Rasta, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Jah. Car plusieurs vos prophètes sont venus dans le monde. Rasta, vous êtes de Jah. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Jah. Rastafari Selassie. Celui qui connaît Selassie connaît Jah. Celui qui connaît Jah nous écoute. Celui qui n'est pas de Jah ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Rastafari Selassie. Aimez-nous les uns les autres car l'amour est de Jah. Et quiconque aime est né de Jah. Et connu Jah car Jah est amour. Rasta. Si Jah nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Jah demeure en nous et son amour est parfait en nous. Jah est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Rasta, la crainte n'est pas dans l'amour. Respecte et ne crains pas. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Jah » et il hait son frère, Rasta, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Jah qui ne le voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Jah aime aussi son frère. Jah! Rastafari Selassie. Reformez vos voix et vos œuvres car les têtes sont rasées et la barbe coupée. Parce qu'ils ont oublié leur Dieu, Jah. Parce qu'ils ont oublié Jah, leur Dieu, l'éternel des armées. Et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays. Ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Rastafari Selassie. Père vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père Jah. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adorons. Nous avons adoré ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Jah est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voici les jours viennent où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Je les ai dispersés à tous les vents. Et tous ceux qui les trouvaient, les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables. Puisqu'ils ont péché contre l'éternel Jah. La demeure de la justice contre l'éternel Jah. L'espérance de leur père. Jah, Rastafari Selassie. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants?
quand une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, voici votre maison sera laissée jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Jah, Rastafari Selassie. Mais l'Éternel Jah a pitié à ses enfants et dit, voici je les rassemblés dans les pays que je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai de ce lieu-ci et je les y ferai habiter en sûreté. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, ils seront mon peuple, je serai leur roi. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel Jah, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel Jah. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme, car ainsi parle l'Éternel Jah qui a fait le soleil pour éclairer le jour et qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots. Lui dont le nom est Jah Rastafari, Éternel des armées. Encore une fois, gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Préparez au désert le chemin de l'Éternel Jah. Aplanissez dans les lieux arides une route reste pour notre Seigneur Jah Rastafari Selassie. Oh Rasta, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns les autres. Vous êtes la lumière du monde, une cité bâtie sur une montagne ne peut jamais cacher. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèvent à mon nom. Ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand homme se refroidira. Donc si quelqu'un vous dit, alors Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible. Malheur à vous, pasteurs, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel Jah. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la cour et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la cour et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui dedans
complète d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués, et vous ornez les sépultures des justes. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez car eux, ils ont tué les prophètes, et vous bâtissez leur tombeau. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Car la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. Celui qui tombera sur cette pierre s'y écrasera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous railleront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom, Rasta, à cause de fils de l'homme. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à vous-même. Qui n'est pas contre nous est pour nous. On vous livrera au tribunal et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant les rois à cause de Rasta pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Rasta, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Si le monde pouvait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'il est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, car ils m'ont haï sa cause. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Jah. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit catholique, soit protestant, soit baptiste, soit témoin de Jéhovah, soit l'assemblée de Dieu, soit la vie, soit la mort, soit le monde, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes au Seigneur Jack Rastafari.